sais, il y a un truc simple, hein, c'est que nous, on est des Africains, contrairement à ce qu'on a voulu nous le faire croire pendant des années et qu'on a répété comme des cons, quoi. On est des Africains, bon, on a été élevés à l'autre bout du monde, bon, ok, et puis un jour, on est revenu. Tu vois, et la musique aussi qu'on a, ben, c'est la musique africaine. Bon, nous, on est très fiers de ça. Les Africains, ils se sont reconnus dans la musique qu'on joue. De la même façon que nous, on se reconnaît dans leur musique. Voilà, bon. Alors, c'est une évolution du truc. Quand on est arrivé là-bas, la première tournée, attends, on ne s'attendait pas. On s'est dit, nous, on vient d'un tout petit pays, quoi. Imagine que la Guadeloupe, c'est 450 000 habitants. Il y a un quartier d'Abidjan, un quartier, hein, qui s'appelle Yopougon, il y a 1 million d'habitants. T'imagines? Et nous, on arrive là-bas, et puis on vient jouer de la musique. On se dit, ouais, bon, on va faire un concert. Non, non, on va faire des stades, des trucs, mais. Ouais, c'est monstrueux, quoi. Et en y allant, on s'attendait pas. On nous a dit, vous avez du succès. Oui, mais à l'époque, tu sais, bon, dès qu'on passait à la radio, les copains, ils nous disaient, ouais, j'ai entendu ton disque à la radio, ouais, t'es une star, ouais, bien sûr. Bon. Donc, on est la vérité, quoi. Arrivé là-bas, waouh. Ça, c'est des trucs, c'est impressionnant, quoi. C'est, je sais même pas comment expliquer ça. À l'époque, on n'osait même pas en parler en revenant, quoi. On se disait, si on raconte ça aux gens, ils vont nous dire, ouais, ça y est, les mecs, vous avez pété un plomb, quoi.